Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo à tes amis. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Du coup les amis, aujourd'hui nous allons parler de cette nouvelle mise à jour qui est la mise à jour de Brookhaven. C'est-à-dire, ils ont sorti une nouvelle maison, mais ce n'est pas vraiment une maison. C'est une fusée et ils ont sorti aussi un ou plusieurs véhicules. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, donc c'est parti. Alors les amis, nous allons tout de suite avancer pour la visite de cette fusée. Donc ce n'est pas une maison, je répète. Vous avez un ascenseur qui vous emmène tout droit à la porte d'entrée de la fusée. Donc voilà, vous avez plusieurs étages, vous avez comme un sous-sol, un étage, un troisième, vous avez tout ça les amis. Après vous rentrez, vous avez une petite porte qui vous emmène à l'intérieur du vaisseau, enfin, de la fusée, pas du vaisseau spatial. Avec un petit siège, vous pouvez même allumer pour vous, pour se dire que vous êtes dans l'espace, enfin pour faire genre, vous avez compris. Là vous pouvez avoir des gens qui travaillent pour vous, c'est à dire qu'il y en a un qui s'occupe de ça, enfin vous connaissez les amis. Après vous descendez, vous avez plusieurs étages. Ici vous avez une genre de pièce très très spéciale. Quand vous rentrez dedans, ça fait ça. Vous cliquez ici, ça devient bleu, c'est trop bizarre. Après vous avez un petit siège, comme si c'était les trucs de... Comme si c'était des vaisseaux spatiaux, vous savez, ceux des aliens, donc c'est... voilà. Là, vous avez une petite cuisine très très sympathique. Vous avez, je sais pas c'est quoi exactement. Là, comme vous pouvez voir les amis, nous avons là vraiment l'impression que nous sommes vraiment dans l'espace. C'est vraiment très très bien fait. Après, vous avez quoi? Bah, vous avez le sous-sol. Donc voilà, c'était la petite visite rapide de cette nouvelle mise à jour. Mais je suis où là? Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et moi je te laisse regarder mes autres vidéos. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur Adoptomy sur leur nouvelle mise à jour. Je compte sur toi pour aller la regarder et la liker. Et si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, c'est très très important. Et nous on se dit à une prochaine vidéo, c'était Davy, bye.